Yeah. I'm Diddy, babe. Yeah. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquille, pépère, comme d'habitude, vous connaissez déjà. Alors aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo, mais avant, si tu passes par là et que t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je mettrai à l'avenir. Commente, like, partage et surtout n'oublie pas de me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Snap. Récemment, je suis partie faire un petit peu de shopping et je me suis dit que en mode j'allais vous faire un haul sur YouTube, ça pourrait être intéressant. Donc ce sera plutôt un haul automnal, voilà, parce que clairement on est en automne en fait. Voilà. Donc j'ai fait mon shopping chez H&M et Zara. Donc voilà les pièces que je vais vous montrer proviennent de ces deux magasins là. Je vais pas faire d'abord Zara, d'abord H&M, non, ce sera un peu mélangé, un peu de Zara, un peu d'H&M. Voilà, donc comme j'ai dit, un haul automnal. C'est pour ça que vous me voyez avec la pépé, hein, façon automne aussi, un peu de marron. Voilà, le make-up aussi automnal, voilà, c'est bon. Et la bouche aussi automnale, oui. Nous, on est automnal jusqu'à sur la bouche. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Premier article que je vais vous présenter, il vient de chez Zara. Et c'est tout bonnement le body que je porte là. Voilà. Donc, c'est un body à col V. Mais bon, moi, vu que j'ai une grosse poitrine, le col, il est devenu rond. J'ai pas compris d'ailleurs. Voilà, c'est pas gentil. Enfin, bref. Donc, comme j'ai dit, je l'ai eu à Zara. C'est un basique. Je l'ai eu pour 9,95€. Et la taille, c'est du L. Voilà. Alors, deuxième article. C'est un article encore de chez Zara. Et c'est ce leggings-là. Voilà. Ce leggings, il n'est même pas à présenter. Tout le monde le connaît. C'est obligé que toi, là, qui me regarde comme ça, ce leggings, tu le connais. Parce que c'est celui qui a la fente sur le côté, comme ça. Voilà. Donc, c'est obligé que tu le connaisses. Mais peut-être que, en fait, tu le connais en noir. Mais franchement, ce leggings, dis-moi en commentaire si vous connaissez ce leggings. Carrément, dis-moi en commentaire si toi aussi tu l'as. Donc, moi, je l'ai en noir. Donc, quand je l'ai vu en cette couleur-là, beige, crème, j'ai dit obligé, il faut que je l'ai parce que c'est comme ça en fait. Il n'y a pas de raison. Il fallait que je l'ai. Donc, franchement, je le kiffe. Moi, je l'ai pris en taille L. Il gaine de ouf. Donc, pour les gens qui ont des gros ventres comme moi, la vérité, il gaine de ouf. Ah oui, d'ailleurs, dans mon haul, si jamais vous voyez que sous certains vêtements, j'ai mis la gaine, hein, voilà, ne soyez pas choqués. J'ai mis ma gaine sous certains vêtements parce qu'il est hors de question que je viens vous montrer ma bedoche sur YouTube. Donc, j'ai mis ma gaine. Bref, mis à part ce leggings, que vous ayez une gaine ou que vous n'ayez pas de gaine, la vérité, il gaine de ouf tout seul. Déjà, il gaine. Donc, voilà. Donc, j'ai dit taille L pour 17,95€, qui est un prix tout à fait abordable. Alors, ensuite, on va aller chez H&M parce que Zara, oui, c'est bien, ok. Mais chez H&M aussi, franchement, ils ont, franchement, H&M, la vérité, bravo, vous avez fait des efforts, bravo, franchement, bravo. Donc, alors, chez H&M, on a ce magnifique pull, robe, je sais pas. Franchement, la vérité, il y en a, ils peuvent le mettre en pull. Mais il y en a, ils peuvent le mettre en robe. Moi, personnellement, regardez ma corpulence qui est quand même assez, hein, voilà. Mais je pourrais grave le mettre en robe, clairement, voilà, avec des collants opaques ou pas. Donc, alors, attendez que je vous montre bien. Donc, voilà, il a un col roulé comme ça. Voilà. Et il est quand même... Franchement, il est long quand même, hein. Et sur le côté, en fait, il y a... Et c'est dur de montrer, hein. De toute façon, vous verrez sur la vidéo. Sur le côté, vous voyez, il y a une petite fente. Mais la vérité, il est grave long. Donc, franchement, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Et il est quand même assez épais. Hein. Donc, voilà. Et carrément, vous pouvez même mettre une chemise en dessous. Hein. Mais on ne verra pas le col de la chemise. Mais franchement, mettre une chemise en dessous, ça ferait super stylé. D'autant plus que c'est grave la tendance dans ce moment. J'ai oublié de vous donner le prix. Alors, je l'ai eu pour 19,99€ en taille L. Toujours dans la catégorie pull. Enfin, ça c'est pas trop un pull. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire.
mais du coup je dirais pull, c'est ce pull la couleur lila. Voilà, j'aime trop la couleur. Voilà, il est vraiment tout léger. Vous voyez, il est transparent carrément. Vous voyez, là on voit ma peau. Voilà. Donc celui-ci c'est un chème, je sais pas si je l'ai dit ou pas. Donc voilà. Et du coup, je l'ai pris en XL pour la somme de 11,99€, en sachant qu'il était soldé, je sais pas, il a combien de base, la flemme de retirer l'étiquette. Et vous voyez, 11,99€, et en dessous, normalement, il est censé avoir le prix. C'est là, je regarde et je vois que c'était 11,99€ de base. J'aurais trop le seum. Parce que là, déjà, la vue qu'ils ont fermé tous les magasins, je sais même pas si, genre, il y a un truc qui nous plaît pas, comment on fait pour faire les retours. Donc, attendez. On va regarder. C'était combien à la base? Ah non, à la base il était à 34,99€. Regardez, je sais pas si vous voyez. 34,99€. Donc moi je l'ai eu à 11,99€. Donc j'ai fait une bonne affaire en fait. Donc là on est toujours chez H&M dans la catégorie pull. Et je vous présente ce magnifique pull. J'aime trop la couleur déjà. Il est crème façon un peu mélangé avec du marron à l'intérieur. Et en fait, la particularité du pull, c'est qu'il est il est bukamapeka. En lingala, on dit bukamapeka. En français, on dit casser les épaules. Il est cassé épaule. Il est... En fait, il est... J'allais dire, il est dos nu. Il est épaule nue. Bref, vous allez voir dans la vidéo. Vous allez voir dans la vidéo. Donc, franchement, voilà, j'aime trop. Il est... C'est pas une robe, hein, parce qu'en fait sur la vidéo j'avais trop la flemme de mettre en bas. C'est pour ça qu'en mode vous voyez comme si c'est une robe. Mais c'est pas du tout une robe, c'est vraiment un pull, hein, à mettre avec quelque chose en bas. S'il vous plaît, c'est pas une robe. Donc voilà, il tient quand même chaud. Il est pas genre épais de ouf, mais il est pas non plus mou de ouf. Donc voilà. Et en fait ce haut, ben malheureusement je pourrais pas vous donner le prix, parce que ben y a plus l'étiquette. Je peux juste vous dire que je l'ai pris en taille L. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a plus l'étiquette, elle est tombée, elle est cassée, elle est déchirée. Je sais pas où elle est. Alors, ensuite, on repart chez Papa Zara, Tonton Zara. D'accord. Et je vous présente ce magnifique leggings. Hein, voilà. Donc, bim, les détails, vous voyez. Ok. Et en fait, pareil, particularité, c'est que cette fois-ci, la fente, elle n'est pas sur les côtés, mais elle est devant. Voilà. Pas comment vous expliquer, mais de toute façon vous verrez dans la vidéo. Mais du coup voilà, la fente elle est devant, donc voilà. Pareil, c'est un basique, hein. Ça c'est un truc à avoir, ça c'est vraiment des choses à avoir. Vous pouvez les caler avec tout et vas-y, la tenue c'est bon. Et ça je l'ai eu pour 19,95€ en taille M. Voilà. Pourquoi j'ai pris la taille M pour celui là parce qu'en fait moi je suis neuve, je cherche trop les problèmes. Mais surtout en fait j'aime bien être gainée, j'aime bien être gainée au maximum dans mes leggings. J'aime être gainée dans tout ce que je porte de toute façon. Donc voilà, je l'ai pris en taille M. Et avec ou sans ma gaine, franchement, il rentre bien. Donc voilà, je suis pas mal à l'aise. Genre, je sais pas. Moi, de toute façon, je m'en fous. Moi, je vais être gainée, c'est tout. Voilà, même si je suis mal à l'aise. Là, je rigole. Mais franchement, non, je suis bien. Donc voilà pour ce leggings. Alors ensuite, on est toujours chez Tonton Zara. Et je vous présente un autre leggings. Donc voilà. Sur un côté, il a deux fermetures claires. Et sur l'autre, il en a qu'une. Voilà, c'est vraiment un leggings basique. Alors pour moi, franchement, les meilleurs leggings, c'est Zara. Parce qu'en fait, leurs leggings, ils font habiller. Genre, tu peux mettre une bête de tenue avec le leggings, mais genre, ça fait vraiment pas tâche. Donc pour moi, Zara, ils ont les meilleurs leggings. En plus, gainage de ouf. Donc celui-là, je l'ai pris aussi en taille M. Parce que voilà, je vous rappelle, je cherche les problèmes. Et je l'ai eu à 19,95€ aussi. Donc la qualité, il n'y a rien à dire. C'est la base Zara. Malgré tes chers, mais on ne peut pas te déclasser en fait. Du Zara encore. Cette magnifique robe. Côtelée. cette magnifique robe marron. Elle a couleur. F. Elle a vérité, l'automne, franchement, c'est une saison. Voilà, c'est une saison parce que les couleurs, c'est trop joli. La couleur, je kiffe. Donc voilà, petite robe comme ça. Elle arrive au-dessus du genou, voire un petit peu plus au-dessus si vous avez des formes. Donc, elle est avec un col carré. Voilà, moi, vous avez compris, les cols carrés, ils se transforment en col rond à cause de ma poitrine.
Donc voilà, un reste spécial. Pareil, c'est en basique. Vous pouvez la mettre. Franchement, vous pouvez grave caler ça avec tout. Avec des baskets, avec des bottes, avec des cuissardes, avec une veste en jean, avec une veste en cuir, avec une fourrure. Bref, vous pouvez vraiment caler ça avec tout. Donc moi, c'est vraiment le truc, le genre de choses que je kiffe. Parce que quand je m'habille, j'aime pas trop me prendre la tête. Parce que déjà, je sais pas m'habiller. Donc il est hors de question que je prenne plein de pièces et faire des assemblages. Parce que la vérité, c'est pas mon fort du tout. Alors, cette robe, je l'ai pris en taille L et je l'ai eu pour 15,95€. Toujours dans la catégorie robe, mais cette fois-ci chez H&M, j'ai pris cette robe-là. Ça, je sais pas si c'est côté ou pas. Et en fait, je crois... Attends, il y a des cheveux. En fait, côtelé, ça veut dire quand il y a des rayures. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Donc, bref, cette magnifique robe, voilà, elle est hyper, hyper longue. Et en fait, sur le côté, il y a une fente. Donc franchement, elle est vraiment bien. Les manches, ils s'arrêtent juste au-dessus du coude. Voilà. Et ben, les cols roulés. Donc pareil, ça en fait, c'est trop des pièces basiques que vous pouvez mettre avec tout, comme la robe que je vous ai présentée précédemment. Donc cette robe, je l'ai pris en M et je l'ai eu à 14,99€. Prochaine robe de chez H&M. C'est celle-ci, franchement, je la kiffe de ouf. Je la kiffe vraiment, vraiment de ouf. C'est pas le genre de robe que je porte d'habitude, mais elle est vraiment bien. Donc les manches, ils sont comme ça. Ils sont refermés juste en bas par un bouton. Donc voilà, ça fait un peu bouffant. Donc voilà, la couleur aussi, il n'y a rien à dire. Celle-là, je l'ai pris en taille L et je l'ai eu à 19,99€ chez H&M. Je sais pas si je l'ai dit ou pas. J'ai un article de chez Zara. C'est ce jogging-là. Voilà. Couleur crème. Je kiffe de fou. Mais en fait, sans mentir, je voulais qu'il soit plus large. Mais franchement, c'est pas grave. Alors, je l'ai pris en taille L. Mais de toute façon, il pouvait pas être plus large parce qu'il s'arrête à L. Donc en taille L et pour 17,95€. Donc voilà, pareil, hein, basique, hein, de toute façon. Voilà. Resserré au pied. Donc, alors. Rocher, arrête, en plus, je ne veux pas couper cette partie. Donc si on a entendu, c'est tant pis pour toi. Que? Ce que tu viens de dire là. J'ai rien dit, moi. Voilà. Donc, prochain article. Et là, vous allez comprendre pourquoi Rossi, il rigole. Du coup, c'est un ensemble de chez H&M. Et en fait, il rigole parce que la taille, elle est comme ça. Mais franchement, c'est vrai qu'il est archi balèze. Mais comme vous allez voir sur la vidéo, j'ai réussi à faire en sorte qu'on ne voyait pas. Mais franchement, il est archi balèze. C'est un truc de fou. Donc. Il est affreux, ouais. Je l'ai pris en XL, car franchement, la vérité, hein, la vérité telle que je le vois, j'aurais pu le prendre en S. La vérité, j'aurais pu le prendre en S. Donc le bas, il est à 14,99€. Et alors, le haut, il se présente comme ceci. Donc voilà. Mais en fait, je crois pas que c'est un ensemble. Je crois que j'ai juste... En fait, je crois pas que c'est un ensemble parce que c'est pas trop la même couleur. Mais vas-y, ça se marie bien, donc tranquille. Donc, le haut, je l'ai pris en taille L. Franchement, moi, le haut, j'aime bien. Moi, j'aime bien que mes hauts soient larges, donc tranquille. Et je l'ai eu pour 19,99€. Il reste deux pièces et ce sont des vestes, manteaux. Une veste et un manteau. Donc, c'est de chez H&M. Alors, on a cette veste en simili-cuir. Parce que je crois pas que c'est du cuir. Non, c'est en simili-cuir. Voilà, imitation croco. Donc voilà, comme vous voyez, la bête a souffert. Quand je l'ai vu, j'ai flashé. Franchement, j'ai flashé. C'est le truc en fait que je sais pas comment porter, mais que je pouvais pas laisser en magasin. C'est pas possible. Mais la vérité, je sais pas du tout comment le porter. Mais vu que Aziz, j'ai un styliste à côté de moi, ça va le faire, ça va le faire. Donc voilà. Donc j'ai dit H&M taille L pour 59,99€. Dernière pièce, c'est ce manteau de chez H&M. J'aime trop. C'est un de mes coups de cœur. Franchement, je kiffe de fou. Je voulais trop m'en commander une...
En fait, je voulais m'en commander partout où je voyais. Donc, dès que je suis tombée dessus, je l'ai prise direct. Il y avait deux couleurs, il y avait du beige. Mais vu que j'ai déjà un manteau beige, je me suis dit, vas-y, je vais changer un petit peu. En fait, ça fait un peu sur chemise, sauf que ça, c'est beaucoup plus épais. Carrément, vous pouvez vraiment le mettre en hiver, hein, parce que voilà, c'est bien, elle est bien épaisse. Donc voilà, en plus elle est bien longue, moi je fais 1m66, donc franchement elle est bien longue et je kiffe de fou. Je l'ai prise en taille L pour 49,99€. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont vos pièces ou votre pièce favorite. En fait ce shopping je sais que je l'ai fait pour rien parce qu'on est confiné. Je sais que le confinement il va durer longtemps, mais c'est pas grave, je vais faire des photos Instagram avec. Et voilà, je les mettrai pour l'automne de l'année prochaine. Donc voilà, en tout cas je vous fais de très 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 gros bisous. Hey, caillou, lui barre la pierre, caillou. Non c'est ma vidéo, non, ah, pas de caillou, voilà. Donc je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye, bye.